Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre vidéo hebdomadaire d'ouverture de coffre sur WoW. Et cette semaine j'ai été intelligent, je me suis préplacé devant tous les coffres, au moins ça va aller vite. Des jambes. Ah, vous allez aussi voir que je n'ai plus de guild. Ah, y'a pas de dessus, quel dommage. J'ai fait qu'une mythique 4 sur ce perso. Oh là, j'ai pas été courageux, en plus c'était une semaine facile. Il faut ressortir au cœur 2, voilà. Bon ben voilà, écoutez, je vous en avais parlé la semaine dernière, ce qui devait arriver arriva, j'ai quitté ma guilde, ça m'a saoulé, on a passé un raid sur Killjaden NM, clairement infâme. Alors déjà de base, les performances globales n'étaient pas ouf, après moi aussi j'ai fait des erreurs, mais à vrai dire c'est pas grave ça, puisqu'on découvrait le boss. Par contre, le fait que des gens... foutre la mauvaise ambiance m'a clairement fatigué. Et quand un des membres de la guilde a réussi à faire rush kit du raid quelqu'un, là j'ai full explosé. J'ai fait bon écoutez, je vous link la charte parce que dans la charte il y a bien et bien marqué que l'ambiance est plus importante que le progrès et qu'il semblerait que certains dans la guilde l'aient oublié. Et je me suis barré. Du coup pour l'instant je suis sans guilde. Voilà, j'ai pas de guilde, c'est pas grave, je m'en fous. Peut-être que j'arrêterai de jouer, peut-être que je me trouverai une guilde où je serai backup et je continuerai à faire que du mythique plus quasiment, j'en sais rien. On verra. Pff, YOLO, je vous avoue que je m'inquiète pas trop. Je m'inquiète clairement pas trop. Passion du Frost 7. Et cap. Non, c'est un non malheureusement. C'est non. Je sais full non malheureusement pour toi. Bon pour l'instant c'est pas dingue. Ils ont augmenté les meilleurs coffres. Donc du coup là on va passer sur le War. Le War qui a fait une 14 cette semaine. On a essayé de faire une 15 mais c'était gueule des âmes. Et le premier boss arrache un tyrannique. Ce qui fait qu'on ne l'a pas passé. Donc j'ai fait qu'une 14. Donc voilà écoutez. Mais normalement on va avoir un stuff un peu plus joli. Qu'est-ce que nous allons avoir? Beaucoup de médaillons. Un anneau. Je crois que c'est un anneau crit. Donc c'est dommage. Voilà, 925. Ah non 925. Ah, ça fait plaisir en vrai. Voilà, ça fait clairement plaisir. Ça fait clairement plaisir. Et la clé, c'est quoi? Caveau des gardiens 10. C'est grouillant, explosif, fortifié. Ah, explosif, grouillant. C'est. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est quand même, ma foi, assez relou. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était elle. Dalaran. Ah, je l'ai 26. Je peux pas. J'ai pas trop farmé ça, je vous avouerai. Du coup. Oui, bien. At poly, at maîtrise. À choisir, je vais plutôt virer le at poly puisque la maîtrise c'est bien. Voilà. Ben voilà. Ou putain, 31% de at, donc j'ai 1% à gratter quelque part où je veux. Je passe à 910 levels, ça fait plaisir. Faudra que je l'enchante. Oh, je vais peut-être gratter un petit point là. Et non. Pas de grattage de points. Ouais, écoutez, c'est bien. 1,1 milliard, ouais, je suis. Bon écoutez voilà, hey, enfin un loot utile, est-ce que je vais m'en plaindre? Bon après voilà, 925 clairement, si j'arrivais pas à avoir un joli loot, il y a un moment je me détestais clairement quoi, mais voilà, au moins on a eu un bon loot, ça fait toujours plaisir, hop, Arcavier 8, 2 des essences et une bague crit poly, ouais je fais, ouais est-ce que là... La chasse peut-être va faire en sorte. Ça aussi, il faut que je calcule là. Là pour le coup, l'objet est pas dégueu. 910 forcément, vu que j'ai fait une mythique 11 sur le perso. Je voulais juste faire une 10 hein, en vrai, mais voilà. Du coup, je l'ai fait une 11. Et j'ai un trait en plus. Voilà, clairement après. Est-ce qu'au final, c'est pas grave que je perde les stats de cet anneau là qui polymétrise, qui est stat bis? Pour gratter de l'endurance et des stats et une chasse, bon, ça va se réfléchir, écoutez, je vais regarder, au pire, voilà quoi, dégâts de mutilation, les dégâts de rossé, qu'est-ce ah, voilà, voilà, bon, ça va se réfléchir, ouais, je calculerai ça, voir si c'est mieux ou pas, pour l'instant, en tout cas, sur 4 loot, 3 pieds, 3 qui sont, voilà, 2 qui sont 100% mieux, 1 qui fait réfléchir, 2 bagues, d'ailleurs, hop, ah, une ceinture, j'ai du 895 et ça va être du 905, ah, j'ai perdu un peu de hâte, mais j'ai gagné de la poly, oh, ça va se valoir, je pense, là, pour le coup, je pense que ça va valoir le coup,
J'ai fait qu'une 10 avec lui. Bon, j'aurais pu monter un peu plus haut, je pensais, avec le paladin. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. Est-ce que j'ai gagné un trait? Oui. Voilà, après, pour être honnête avec vous, comme je farme pas beaucoup d'AP vu que c'est mes rerolls, forcément, quasiment toutes les semaines, vous voyez que je gagne un trait en plus avec vous parce que bah, je fais que quelques mythiques plus et. Enfin, voilà, c'est logique en vrai. C'est full logique. On va augmenter les maximum de points de vie d'un pour cent. Voilà. Donc voilà, écoutez, j'ai quitté ma guild et je sais pas ce que je vais faire. YOLO. Je vais peut-être passer moine en main tank, je vous avoue, puisque là, War, c'est clairement. Pff, bah, je sais pas, vraiment, je trouve que c'est vraiment pas. C'est pas ouf. Déjà que de base, c'est pas dingue, alors là, je vous avoue que. Je pourrais avoir un petit lège, je pense. Eh non, pas de petit lège. Alors, un pantalon, j'ai quoi? J'ai du 860, donc ça va être forcément bien. 910, crit maîtrise. Crit maîtrise. Alors, j'aurais préféré avoir de la hâte, mais bon, que voulez-vous? Je gagne 3 points d'e-level. Bon. Voilà, clairement. Et Delta 8. Delta 8. Bon, j'aurais bien aimé avoir de la hâte. Parce qu'en fait, il faudrait à peu près que 30% de hâte. Alors, crit. Crit, ça permet d'avoir plus de boules pour me soigner. Mais je préfère avoir 30% de hâte pour mon cycle. Et après, je vais pas lire tirer sur genre poly ou maîtrise. Mais. Ça serait bien, mais on va partir sur ça pour faire des dégâts. Vu que globalement je fais quasiment que des mythiques plus. Voilà. Ah, apparemment c'est Jim le Flétri, vu que je vois qu'Atomic. Et Jim le Flétri peut looter le bijou. Le bijou qui est vrai, qui est excellent. C'est impressionnant comme ce bijou reste bon au fil du temps. Honnêtement, c'est hallucinant quoi. T'es là en mode waouh. Ce bijou quoi. Le DK. Le DK, je crois que j'ai pas fait une énorme clé dessus. Pareil, le DK, j'ai qu'un lège, donc il y a moyen qu'on en tombe sur un. Ah, vous avez vu, mon lège est encore 940, ça vous montre à quel point j'en ai vraiment rien à foutre de ces persos-là. C'est vraiment, je les joue parce que j'aime les jouer. Corps de vaillance! Corps de vaillance! Corps de vaillance! Corps de vaillance! 885, 885. Oh! J'ai fait qu'une 4 sur le perso. Ah, pour le coup, j'ai pué, parce que là, j'aurais eu cet item-là. En 900, là, j'aurais été un dieu, en fait. J'aurais été clairement un dieu, bon. Je crois que j'ai même pas le. Ah si si je les ai quand même. Ah je me suis respecté minimum. J'ai quand même farmé pour avoir ce trait là. Alors que DK maintenant c'est vraiment très fort. C'était déjà. Enfin, on va dire que c'est passé de moyen à très fort. Combien on va partir en vraie décomposition? Je vais plus augmenter mon armure, mais là on va. Vu que je fais beaucoup de mythique plus, on va partir sur faire plus de dégâts parce que c'est marrant. Et le dernier, le DH. Le DH, très bonne surprise. J'adore jouer DH tank. C'est vraiment trop marrant. Après, on va pas se mentir. Moi, je joue DH tank DPS. Déclencheur. Non, moi, j'ai deux déclencheurs. Et en fait, le type, c'est statut. Est-ce que j'ai un truc, c'est genre classe? Parce qu'en fait j'aime l'activer que sur unité joueur. Bon écoutez je regarderai plus tard. Le coffre. Ah chargé. Classe du joueur. Chasseur de démons. Voilà. Oui parce qu'en fait j'ai 30% de critique sur ce tank. Bon clairement je suis un peu parti. Je suis clairement parti full dégâts avec lui. Où est-ce qu'il est le coffre déjà? Je crois qu'il est là-haut. Non. Merde. Il était pas sur le côté? Si, voilà, il était sur le côté. Toujours pas de lèche sur lui. Donc là c'est le moment. Allez, le jeu, s'il te plaît, donne-moi un lèche. Nique ta maman. J'ai du 880. J'ai du crit poly, donc c'est bis. Et là, j'ai crit hâte. C'est moins bis. Toujours pas de lèche sur ce putain de perso, hein. Ce serait bien qu'il y en ait un qui tombe, mais 895 donc. Ça combien de crit? 29%. Ouais, mais après, derrière, je gagne quand même 2% de hâte.
Ah, c'est de la ponction que je perds. Bon. Je gagne de l'e-level pour le coup. Voilà, c'est. Voilà. Bon, ben voilà, écoutez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça a été bien pour. Ça a été bien. J'aurais peut-être aimé avoir mieux, mais c'était. On va pas cracher dans la soupe, on va dire. Mais voilà, écoutez, moi je vais aller faire ça pour essayer d'avoir mon arme. Mon apparence d'arme cachée de DH qui est en fait comme un bouclier de tank. Et écoutez, je vous fais des bisous. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur World of Warcraft. C'était Adran, je vous fais des bisous et je vous dis ciao les gens!